Qu'est-ce qu'une émotion ? C'est une réponse physiologique qui traverse notre corps. Elle suscite une réaction face à une situation ou à un contexte donné. C'est une sensation, un ressenti, sur lequel notre mental n'a pas de prise. Elle peut être associée à une pensée automatique, qui peut être consciente ou inconsciente. Et comment ça s'exprime une émotion ? Comment s'exprime l'émotion ? Ça peut s'exprimer au niveau de notre corps ou de notre pensée, en fonction de la situation et de la personne, par des réactions complètement différentes. Palpitations, transpiration, rire, figement, pensée automatique. Je n'y arriverai jamais. Ils m'énervent tous. Ou des comportements automatiques, de l'ordre de la fuite ou de l'agressivité. Par exemple, quelqu'un qui quitte la pièce violemment lorsqu'un conflit survient, ou bien quelqu'un qui se replie, qui s'enferme pour bouder dans sa chambre lorsque ça va plus. Les émotions sont partout. On les retrouve dans notre quotidien, à travers nos expressions, du visage, du corps, mais aussi dans nos écrits, dans nos mails, dans nos textos avec les émoticônes ou encore les signes de ponctuation. À quoi sert l'émotion ? Elle vient exprimer un ressenti, un besoin. Elle nous donne des informations précises sur notre état du moment, comme avoir la boule au ventre avant un examen. C'est une réaction physiologique qui sert à préparer une réaction physique et qui va nous permettre de réagir. Par exemple, quand notre cœur s'accélère ou s'emballe, notre respiration également, ça nous permet de se préparer à une fuite, se préparer à un combat, à faire face à un danger ou de se replier sur soi. Cela peut être aussi une libération d'hormones du plaisir, qu'on partage à travers le sourire, la joie, l'exaltation, le sautillement. Les émotions permettent de créer du lien, de se connecter à l'autre. Elles se partagent, se communiquent, faisant de nous des êtres vivants. Excusez-moi, mais je vous ai entendu parler des émotions tout à l'heure. Mmh. Et ça me fait penser à une petite anecdote avec ma fille quand elle s'énerve, qu'elle pleure, qu'elle est en colère ou qu'elle crie et que je ne peux pas lui parler. Alors, tu fais comment ? Bah, j'essaie de la prendre dans mes bras, lui proposer d'abord un câlin, et je me dis que comme ça, on va redescendre un petit peu, et on pourra communiquer. C'est super ça le câlin. Ça permet d'apaiser, de rassembler toutes les parties du cerveau qui sont éparpillées. C'est super chouette. Moi j'ai essayé avec mon mari, bon, ça n'a pas marché du tout. Il n'est pas bien, il est en colère, il a besoin d'aller faire son tour, de prendre l'air, et il revient seulement après quand ça s'est apaisé pour lui. Mais moi, c'est la même chose quand je suis hyper triste, j'ai besoin de m'isoler, de me retrouver seule. Et en même temps, quand j'ai mon conjoint qui vient à moi pour me demander qu'est-ce qui va pas et qu'on arrive à en parler, ben, d'un coup, ça va beaucoup mieux. Du coup, en fait, les émotions, c'est selon les personnes, on propose quelque chose de différent ou... C'est ça, c'est propre à chacun. La question, c'est de quoi j'ai besoin. Et est-ce que je peux en dire quelque chose ? Les émotions font partie de notre quotidien. Elles nous traversent tous. Dès lors qu'elles nous dépassent, nous envahissent, il est important de les apprivoiser. Et oui. Apprivoiser ses émotions, c'est d'abord les accueillir pour mieux les identifier et les exprimer et les gérer chacun à sa manière. De nombreux outils existent pour mieux les appréhender. Les approches psychocorporelles, yoga, massage, méditation, activités physiques diverses et variées. Et toutes les formes de thérapie. Et oui. Mais il y a aussi les approches artistiques et créatives, comme le théâtre, la danse, la lecture et écriture, la musique, le chant, encore les films. Et vous, comment ça se passe avec vos émotions ? Parvenez-vous à les reconnaître ? À les exprimer ? À les apprivoiser ? Si vous souhaitez échanger à ce sujet avec des professionnels, venez nous rencontrer sur le point Relais Famille de la communauté de communes Provence-Verdon. Vous avez toutes les informations pour cela au bas de la vidéo.